si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèvent contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tous tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu obéiras, alléluia, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé de l'Éternel. Et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Béni soit notre Dieu qui est assis sur son trône ce matin. Ô Seigneur Dieu, tout comité céleste la chita matin en ciel. Pour y attendre chaque grain petit tout qui approchait devant matin. Et ça me remet dans grâce ou fait nous. Ou gen yon oreille attentive pour tande chaque grain monde qui présentait devant matin. Matin, Seigneur Dieu, notre Père, nous venons devant pour nous dire merci d'est-ce que dans compassion, d'est-ce que dans miséricorde, d'est-ce que dans fidélité qui pas changé, d'est-ce que dans l'amour qui est incomparable, d'est-ce que Seigneur Dieu, pas tab jambe ka gen l'autre bon Dieu tant cou. Ou prend soin jaloux de nous. Matin, nous venons pour nous remercier. Et à travers ces versets, Seigneur Dieu, que nous venons de lire, Seigneur Dieu, nous voyons toute grâce qui découlait en d'un verset ça. En d'un chapitre ça, Seigneur Dieu, Deutéronome 28.
Nous avons une façon de montrer, nous, si nous prenons le temps et le soin d'observer tes commandements en les mettant en pratique, en les suivant, Seigneur Dieu, pour nous suivre les commandements, pour nous marcher selon nous-mêmes. Nous montrez-nous toute grâce et faveur, les bénédictions qui va découler sous la vie. Et ça me remet à travers verset, ça nous lie à Seigneur Dieu. Ou montrer nous yon bagay que l'autre nation yon pas jom kagen. Et quel que soit effort l'autre nation yon ta fait, si nous mêmes nous rete dans l'ordre ou ba nous, si nous mêmes nous rete dans le principe ou ba nous, si nous mêmes nous observer sans mande nous pour nous faire, au Seigneur Dieu, nous va toujours supérieur sous tête yon. Nous toujours devant, nous pas jom derrière. Et Seigneur Dieu, matin, nous venons devant pour nous remercier. Merci pour l'instruction, ça. Nous prions à quoi nous péchons, nous, dans le nom de Jésus. Petit tout caprini pour tout un siècle des siècles. Amen. Gros bonjour à tout le monde qui levé encore une fois matin. Nous saluons dans le beau et précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Ou même qui joue une occasion dans les dévotions matinales, ça. Ou même Captain Del Cunha. Déjà, me souhaite que grâce, papa, l'amour petit là, et douce communion cet esprit là, qu'a descendu dans la famille au matin en force et en puissance au siècle des siècles. Et matin, nous guérons texte que nous lisons du verset 1er jusqu'au verset 14 dans Deutéronome 28. Et pas oublier, pendant tout le mois mars là, c'est le thème ça nous a parlé qui dit comment recevoir les bénédictions de Dieu. Mais matin, chers frères et sœurs, nous gagnons un verset qui attire l'attention, nous dans tout verset nous sont liés, qui pousse nous à parler sous dévotion ça matin en l'autre façon. Ou même qui pour attendre dévotion ça d'après moi ou prêter attention avec un cœur sincère à tout ça frère Yves pour le dire de la part de Saint-Esprit. Pas oublier nous dire comme ça que bon Dieu planifier toute bagaille pour vous déjà. Bon Dieu, pas rien pour le créer encore raison parce que tout ça que l'homme n'a t'a besoin avant même l'homme n'a bon Dieu t'a fait l'homme n'a avec image et ressemblance lui, il t'a été un météo pour l'homme. Et tout ça qui rend l'homme n'a grand sorti la caille bon Dieu. Matin nous pas trop long non dans vers nous pas trop long non dans dévotion ça. Mais nous n'a rappelé que n'a fait dévotion hein n'a continué pendant tout mois fini ça veut dire nous pas camper nous pas qu'on fait dévotion dans samedi matin n'a fait le bref pour nous atteindre ou bien river boucler pour nous boucler terminer pour nous boucler pour juste nous river dans 31 mars. Chers frères et sœurs ou même capitaine de dévotion ça d'après mon porter attention spécialement matin hein, dans verset 7 et verset 8 dans Deutéronome 28. Bon, moi, l'île pour encore, pour nous, au moins, dit quelques mots sous lui, mais n'a pas continué sous lui plus demain, si Dieu le veut. Dans verset 7, il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui se lèveront contre toi. Cela implique, si où est bon Dieu, bon victoire, n'en dormi, si où est bon Dieu, bon victoire, n'en j'éclaire, si ou un monde cap emmerdé ou là, bon Dieu fait au terrassel. Et l'aime dit bon Dieu fait au terrassel là. Ou après ou même ou rete en silence, monde qui tape emmerdé ou là. Et gade ou chercher l'ou pa ouel, qu'on essaye une bénédiction li. Parce que Pabliem tap dit nous, depuis le nous tap commencé thème, ça, bénédiction vient sous plusieurs formes. Et ça, c'est une forme que bon Dieu choisit, béni petit li. Tout le monde qui choisit camper devant nous, tout le monde qui choisit interposer à vous-même, tout le monde qui choisit opposer à ça, ou a fait spécialement yon bagay qui bon. Bon Dieu, gen travail pour le faire pour moun sa pou, sans ou même ou pas besoin craser corps. Dans même verset 7, elle dit, sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi. D'après moi, nous connaît. Ou même quand le texte avec moi, après il s'est écrit il, ILS. Cela veut dire
ennemi ou pas un grand ennemi, chers frères et sœurs. Si vous pensez son seul monde qui a bon problème, c'est leur échoué. Et bon niveau, bon Dieu t'a aimé arrivé. Parfois, monde qui a bon problème, nan, ça ou est à l'œil nu, hein, c'est pas monde qui a bon problème, âgé ou pas qu'à ouer. Ça veut dire, si ou est monde qui a emmerdé ou bien monde qui a terrassé ou monde qui a bon problème, nan, gagnon esprit malin qui dé moun ça. C'est peut-être ça matin m'venir pour me dire ou pour réclamer autorité au nom de bon Dieu pour chasser esprit malin ça qui sous moun ça dans le nom de Jésus. Ou pour réclamer puissance au nom de bon Dieu pour chasser malédiction ça qui veut sortir pour l'entrer dans famille. Ou pour réclamer autorité au nom de bon Dieu pour couper moun ça qui empêche au jouir de les bienfaits de Dieu. Pas oublier, il dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Ou même leur prier. À travers verset, ça nous joint matin dans Deutéronome 28, verset 7, ça, ou qu'a prié à verset ça. Ou qu'a dit, Seigneur, que tout ennemi qui campait devant, qui t'est venu en seul chemin pour bon problème, qu'on disperse par plusieurs chemins au nom de Jésus. Alléluia. Pas oublier, parole l'a dit, yo te venu dans seul chemin, ils s'enfuient devant toi par sept chemins. Alléluia. Ou même qui joue une parole ça matin, hein? Ou même capteur de parole ça, ou gen zouti nan men pour combattre contre diable là, les sorti pour le persécuter parce que bon Dieu bon bénédiction déjà pas quitter Satan des vieux bénédictions nan men. Mais dans verset 8 à chers frères et sœurs, pas oublier moi dit nous que nous praler plus fond. Nous prenons les pifons, nous avons frappé demain si Dieu veut, nous avons frappé dans le reste jour pour nous faire une dévotion hein, fini dans le moment où nous voulons boucler le thème. Ou même capitaine de matin, hein, le verset 8 là pour ça le dit. Il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de l'homme dans tout le temps à boumer pour lui. Yon nan bagay l'homme nan toujours besoin gen. L'homme nan toujours besoin gen pouvoir. Et en dan pouvoir, l'homme nan toujours vle gen autorité. Et pas oublier, gen moun ki gen pouvoir ki pa gen autorité. Alléluia, gloire. Bon, moi dis ça encore. Gen moun ki gen pouvoir ki pa gen autorité. Cela veut dire, même si li en possession de pouvoir, li pa gen autorité pour le faire exécuter l'ordre li bay la. Bon, moi dis ça encore. Gen moun ki gen pouvoir. Gen moun ki nan pouvoir, gen moun kap joui de yon pouvoir, mais pouvoir, autorité ki an dan pouvoir, yo pa genyen. Parce que yo limite tête yo, ou bien yo pa gen capacité pou yo exercer autorité, le yo passe yon l'ordre pou l'ordre la exécuter, j'en veux l'exécuter. An nou pour exemple clair. Et m'pap di ça pour m'fois, c'est un ken moun kap vive Haïti. À l'époque, moi-même, moi, t'es Haïti. Donc, grâce à mon Dieu, pays, il n'y a pas de état, ça. C'est pas de bandit qui fait rage comme ça. Et les bandits sont un policier. Même que le reconnaître, ils sont bandits. Et même si le policier a été fait sortir dans l'académie, il peut. Raison. Parce que le connaît, le policier a une autorité sous tête. Il n'y a pas de pouvoir, seulement le policier a une autorité sous tête. Et maintenant, j'ai pays, il y a découlé là. Nous voyons Jean Bagayo changer. Bref, c'était une parenthèse. Nous voyons le premier ministre, Jean Noudia, qui quittait le pays pendant qu'il était sous pouvoir. Mais il n'a pas d'autorité encore pour nous retourner dans le pays. Bref, on a quitté ça. Nous voulons faire la Bible, nous ne pas parler dans ce sens-là, pour ne pas penser. Parce que nous pas dans le pays, nous loin, c'est ça qui fait nous parler comme ça. Chers frères et sœurs, dans le texte à nous le matin, dans verset 8 là, il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction. Naimon comprend ça. Moun kap bay bénédiction l'od la. L'Éternel des armées kap bay bénédiction l'od la. Bénédiction pa kapa exécuter l'od la. Tendez bien. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. D'après mon comprendre ça. À chaque fois où le soleil a levé, quand son l'autre bon Dieu t'est passé soleil là, il dit que la lumière soit et la lumière fut, et puis il dit l'a créé yon luminaire pour clairer dans jour, l'a créé yon pour clairer dans soir. Son l'autre li passé.
Seigneur a dit que la terre produise de la verdure. Il n'y a pas son l'ordre. Terre n'a pas jamais pas produit verdure. Ah, mais c'est même bon Dieu ça qui pourrait passer l'ordre des bénédictions ça. Ou même captant des dévotions ce matin. Hein. Ou même qui voulait jouir de grâce ça. Yo. Retourner à temps de toute dévotion encore. Ou avoir principe pour établir dans la vie. Yo, pour bon Dieu, by l'ordre. Pour bénédiction ça a marché de yo. C'est ça qui fait dans tout texte ça. Et ça fait dans tout texte ça pour. Ou après du verset 1er jusqu'au verset 14. Bon Dieu très sensible à ses commandements, ses principes, ses préceptes, ses ordonnances. Lorsque tu obéiras, lorsque tu mettras en pratique, lorsque tu observeras, après tout ça, bon Dieu a bail l'ordre pour bénédiction marcher dehors. Et là, il dit marcher dehors, là, marcher dehors dans le pays où il est, béni soit l'Éternel. Cela veut dire les, ou observer la gloire, ou observer les paroles, les principes de l'Éternel. Dans quel que soit pays, a bénédiction à marcher dehors. Ou pas besoin d'un grand pays. C'est vrai, nous connaissons un pays qui est développé, qui est l'autre. Mais parole, mon Dieu, ça n'est pas précisé pour un pays. Il est précisé sur tout pays. Pauvre ou riche. Même capitaine de dévotion ce matin. Nous avons pour nous aller plus sous lui. Demain matin, si Dieu le fait. D'après mon connaît, mon Dieu, by bénédiction l'autre. Pour le marché d'eux. Dans tout ça, on fait. Bon Dieu, ma bénédiction, l'ordre pour le marché d'eux. Dans tout ça, on fait. Mais on même, on a un seul bagage pour faire. Qui est observer et pratiquer, obéir à la voix de ton Dieu qui est l'Éternel des armées. À nous prier pour nous finir. Seigneur Dieu, nous remercions encore une fois ce matin. Ou éveillez-nous, ou rendez-nous égayés, Seigneur Dieu. Ou rendez-nous gays. Parce que ou apprendre nous que ou ba l'ordre pour bénédiction marcher derrière. Seigneur Dieu, nous recevoir sous la vie nous. Nous recevoir sous la vie chaque monde qui attend des bénédictions, ça qui attend des dévotions ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Pardonne nos péchés. Nous avons ainsi prié dans le nom de ton fils Jésus-Christ, à lui seul qui vient l'honneur, la louange et l'exaltation au siècle des siècles. Amen. Ou même qui attend des dévotions ce matin, ou même qui vient pour attendre l'après-midi hein. Ou même qui est pourtant de l'assouer, déjà me souhaiter que bon Dieu dans compassion, baille bénédiction, l'ordre pour le marché d'ailleurs, dans tout ce qu'on fait. Passez une bonne journée, bon jeudi, bon fin d'après-midi, au nom de Jésus. Amen.